Guy Philippe, sénateur Grandas, sénateur qui était élu, qui était gagné certificat Lamel, que Jocelyn Brivert, avec ministre justice à l'époque, qui c'est Camille Edouard Junior, arrêté le 5 janvier 2017. Pendant que Guy Philippe, dans la prison aux États-Unis d'Amérique, il fait une déclaration là, moi-même personnellement, je m'attendais de ça, ça dit, hein. Justement, je me sentis tout comme même envie de transformer. Je me sentis tout comme envie de transformer. Parce que le moment où je parle de dossier assassinat de Moïse, effectivement, vous montrez que ça blessé ou et que si vous êtes là quelque part, vous avez fait quelque chose. Mais justement, je me sentis que, aïe aïe aïe, présence où, c'est important dans le moment. Qui s'allie? Guy Philippe fait une déclaration là, effectivement, qui bouleverse Internet là. En pile monde relève dans le téléphone. Dis mais Fometo, est-ce qu'on a des interviews Guy Philippe fait avec le journaliste James Lan? Je dis, moi commence à entendre, même si pour le même temps, effectivement, nous avons une émission, nous pouvons être capables de entendre. Et mais hier soir, à 2h du matin, je prends compte de temps pour entendre l'émission hein, et entendre pendant 3 fois. Ça veut dire que je fais environ 3 heures de temps pour entendre l'interview. Et mais justement, Guy Philippe dit, si lui-même, il était dans le pays comme sénateur de la République. Il n'a pas tapé catouiller Jovenel Moïse comme président de la République. Et c'est ça qui frappe. Monsieur dit, s'il était là comme sénateur de la République dans le pays, même comme citoyen, il n'a pas tapé catouiller Jovenel Moïse. Et je ne peux pas faire une déclaration ça, je ne peux pas saisir. Vous connaissez le bagaille que je me songeais, honnêtement, Guy Philippe, s'il était là, moi, quoi que Matissan, pas tapé bloqué pendant 2 ans le bloqué là. Jamais. Si Guy Philippe était là, Guy Philippe n'a pas accepté comme sénateur de la République pour la vie dans le Parlement, pour ne pas monter comme elle est dans une zone côté autour de Jean-Baptiste pour la passer par la boule 12 Taraz. Guy Philippe n'a pas pris. Et je garantis nous, Guy Philippe a pris les âmes contre le groupe Asapat Sayo, le groupe Voyou Sayo, le volant Sayo, qui a fini avec Jean-Baptiste. Et mais c'était tel pilon pour le dire, peuple là sous bataille. Sauf que le peuple a besoin d'un leader. Et du peuple a sous bataille, sauf que le peuple a besoin d'un leader. Et bien c'est exactement ça que le peuple n'a pas qu'à joindre, qui cause nous un pays à trouver dans ça que trouver là. Nous parlons de déclaration, sénateur Guy Philippe Blanc, et puis il y a la parole qui va parler sous dossier libération qui t'a parlé dans toute la presse là. Qu'est-ce que tu as parlé pour nous dans l'interview ça, et que nous allons attendre dans l'émission ça. Et il y a pile parole qui va parler. L'autre bagaille qui est important, Reginald de Boulos, patron MTV Haïti. Reginald Boulos a un bois à droite là. Yon cavalier Paul Tal, yon bois Amélie, yon qui travaille pour Reginald Boulos, yon proche li, yon bois secret Reginald Boulos, que DCPJ arrête 29 novembre Kapvin la. Yon arrête monsieur, parce que DCPJ tap fon fil à tout monsieur selon l'information qu'il gagne, avec deux moun que yon arrête déjà, qui nan kidnapping. Et mais DCPJ arrête monsieur sous plusieurs chefs d'accusation. Et bien, yon fait qu'on est que monsieur nan vend zam. Monsieur dans gang, monsieur dans kidnapping. DCPJ est appelé monsieur. Et mes peuples haïtiens, gens que nous connaissons, ça qu'on fait aux États-Unis d'Amérique. Le DCPJ a cuisiné monsieur, a pesé monsieur, a auditionné monsieur. Et mes proches Reginald Boulos là, allié Reginald Boulos là, monsieur a avoué dans DCPJ et que oui, il participe dans en pile kidnapping qui fait dans Port-au-Prince là. Monsieur a avoué DCPJ que li nan gang et gang monsieur ya c'est dans gang ti Gabriel là que monsieur yé peuple haïtien. Ça veut dire que m'vle nous confirmer encore une fois et que Reginald Boulos qui gen ti Gabriel qui travaille pour lui et qui gen gang Belay qui travaille pour lui en pile kidnapping qui fait sous Delma moun sa réel sérieux sous Belay réel sérieux dans base vite l'homme tout réel sérieux au village de Dieu c'est gang Reginald Boulos yo qui travaille dans Port-au-Prince là. Et c'est là ma baye président équipe arabe blanc alors Maslin Mitil et crédit ça. Arabe dit comme ça que quand on voit Boulos a caché dans pays étranger, Boulos gagné kidnapping qui a fait là 24 sur 24 pour lui. C'est qu'on aime bail arabe la raison. C'est qu'on aime bail arabe la raison. Parole ça monsieur toujours dit dans chaque là nous éviter monsieur dans l'émission. OK? Monsieur toujours dit ça. Et mais effectivement, je dis à public là, pays nation nous devons prendre. Nous devons connaître que Reginald Boulos gagné industrie kidnapping qui a travaillé là 24 sur 24. Et Arab l'a plus loin pour dire que c'est même Jean Ptou pour Dimitri Vop. Dimitri Vop, bon kidnapping, 24 sur 24 qui travaille pour lui. Et n'a qu'à toucher l'agent ça. C'est Don Kato qui a géré l'agent, c'est kidnapping ça pour Dimitri Vop. Et par des CPJ qui a fait appeler Mounsayo. Des CPJ qui a questionné Don Kato. Des CPJ qui tenait le cas, il a fonctionné.
réalité où chéri vient kidnapper moun touyer moun avec fantôme sexuel pas rien qu'a fait fantôme sexuel still a kidnapper moun dans pays a pas rien moun qui dit rien et mais justement peuple haïtien jodi là cabret la collé et pas gagne pas bois tout moun ouais vraiment bœuf là avec colonne moun qui te vole bœuf là c'est la vérité seulement qu'a triompher prend responsabilité ou parce que détail la fête haïtien femme somme jodi nous exactement et 16 décembre 2022, publié sur plateforme Poland, qui c'est plateforme YouTube Info Bertoa. Et Jacques Connel en pile évolution. Et donc ça qui gagne pour avec de ces sanctions, qui gagne pour prendre compte les oligarques corrompus. Et effectivement, moi-même, je suis convaincu. 28 décembre, Kabine là. Reginald Boulos avec Dimitri Vob, c'était deux feuilles qui commençaient à boire. Parce que vous connaissez que 28 décembre, Kabine là, non Boulos, non Dimitri Vob, non Jean-Marie Vob, a figuré sous les deux sanctions. Ça, c'est parole. Moi-même, pas bah, nous menti. Pays, la République d'Haïti, peuple haïtien, connaît que si un régime de sanctions pas prend contre un groupe de monde, depuis le pas prend contre Reginald Boulos, connaît que pour qu'on ait sanctions. Même si nous elle prend contre Chérif Abdallah, Gilbert Bidjou, Renald Dib, depuis pour qu'on prend contre Reginald Boulos, pour qu'on ait sanctions. Selon peuple haïtien, et selon moi-même tout, je ne vais pas dire pour qu'on ait sanctions, mais sanctions manquées. Les manquées. Parce que Reginald Boulos, comme chef de gang, comme criminel, comme assassin, si vous avez un sens prend, il va prendre compte, et même garantir que sanctions manquent. Et bien justement, dans le jour que vous venez là, je ne vais pas vous mentir, la République a chauffé le couvert bois. Vous n'êtes pas capable de demander gang pour tirer 4 ou 5 ans. Vous n'êtes pas capable de faire gang canal continuer et faire massacre sur le monde. Parce que blanc, les groupes antennes sur chaque grain de nègre ça. Et bien justement, c'est un pile causé qui va le passer dans le pays. Le Royaume-Uni annonçait la couleur. Alors, le Conseil de sécurité des Nations Unies annonçait la couleur. Royaume-Uni a annoncé 28 décembre qu'il vient là et que lui-même il prend sanction contre nèg sa yo qui alimenter gang dans pays d'Haïti qui dans gang dans pays d'Haïti qui dans kidnapping dans pays là qui alimenter violence dans pays là la prend sanction contre yo. Il y a le plus loin, il a interdit chaque grain nèg sa que sanctionner yo faire business en dedans propre pays à qui c'est pays d'Haïti. Ouais là moi même dit bravo 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 avec régime sanction ça qu'a venir compliqué nèg yo gen problème même dit nos grain bagaille nous même nous là pour nous kembeu informer sur tout ça qui a passé dans le pays ça sur toute évolution qui gagne dans cadre dossier ça yo qui a dominé pays qui fait que ou même comme jeune ou pas carré dans pays ou je dis m'a dit ou même comme jeune chita pour chita sur ta domino nous on grand discours qu'on gagne en nous bat tête non bourade à partir de régime sanction ça que international a prend contre groupe criminel ça yo qui finit avec avenir dans pays parce que je dis si nèg yo te bay possibilité pour nèg te grain pour alors classe moyenne haïtienne pour haïtien qui vient de diaspora vient investir dans pays ou même comme jeune garçon ou te capable sur ta domino ça chaque jour ça veut dire que l'on quitte l'école ou te capable l'autre travail pour le faire ou te capable un comptable justement capable brûler ou venir gérer une entreprise là justement ou tu as jeune travail ou tu as grand pile activité que tu as créé tu as grand pile comme c'est d'ailleurs jeune entreprise que tu as créé mais effectivement avec criminel ça aucun pays tu vois que c'est eux même seulement qui pour gagner l'argent ou même nèg te grain pour gagner depuis l'argent ils vont kidnapper ou mettre l'argent dans banque. Nous prenons l'argent dans la banque, depuis qu'on arrive à 50 000, 100 000 dollars américains, ils ont fait fil là-dessus, et puis ils ont fait sortir dans la banque, ils ont kidnappé, et puis ils ont demandé tout le monde comme là. Pendant que l'on a mis la banque, on a cherché, ils ont dit 50 000 dollars américains, mais quoi ont kidnappé? Même si tu as 100 000 dollars américains, depuis que tu as kidnappé, ils ont kidnappé, et bien justement, la banque a fait pour que ils ont retiré 100 000 dollars américains cash à partir d'un chèque aussi. Justement, nous capables de comprendre dans quel complot nous prenons. Et bien ça qui passe, ou bien Chérif Abdallah, il s'est mis kidnappé dans le pays d'Haïti, et bien il s'est mis sur le banque tout. OK, il s'est mettre kidnapping dans pays d'Haïti, et ben il s'est mettre chez banque. Ou gagne Gilbert Bidjo. Alors, ou gagne Edouard Bossan. Il s'est mettre kidnapping dans pays d'Haïti, ils ont 5 secondes village de Dieu. Travail pour lui, il s'est mettre une banque tout. Ça veut dire pas qu'il moyen pour kidnapping ta suspendre dans pays là. Veut nous caler nous, veut nous prendre responsabilité nous, vrai bataille là, veut déclencher à partir c'est ça que nous connaît. Je dis c'est kidnapping équipe régionale Boulos dans pays n'importe Boulos là que les CPJ arrêté et n'a pas avancé. Gagne Franzi Valmi alias Didi. Membre fondateur de MTV Haïti et bras droit du docteur Reginald Boulos, arrêté le mardi 29 novembre 2022 par la DCPJ, a été reconnu coupable pour son implication dans de nombreux cas d'enlèvement, de trafic d'armes et de ramifications avec les gangs. Écoutez bien, Franz Valmé, qui est petit garçon Reginald Boulos, qui travaille pour Reginald Boulos, qui c'est nèg qui coordonne mouvement gang dans le pays d'Haïti pour Reginald Boulos, parce que Boulos gon un groupe gang même qui travaille pour lui, qui c'est PDG gang ça, c'est gang yo relé GPEP là qui contrôle parti Gabriel. Et ben nèg si Boulos gen zam pour le voyer, ça avec citoyen ça pour le voyer, qui font citoyen ça que les Franzi
Alors Franzi Valmeyan, c'est nèg ça qui pour alimenter gang yo avec zam pour Reginald Boulos. Dans un premier temps c'était Reginald. Alors c'était Anel Belize qui te connait faire. L'un te connait dans mouvement pays loc là. On songe ça. Eh bien, DCPJ gagne pile information sur citoyen ça. DCPJ fait filat sous monsieur parce que DCPJ m'a pas menti. C'est parce que par une volonté réelle pour que la DCPJ traque une série de nèg qui a fait kidnapping dans pays là qui cause ou gonser les monde qui pas dans prison. Et bien justement, si DCPJ pas de quitter politique la couvrir, pas de peur, parce qu'il y a des gangs dans la politique, et bien écoutez, je parle avec nous là, DCPJ, tu as fait un travail extraordinaire, et pas de gens qui t'a bloqué DCPJ, parce qu'il y a des compétences pour que vous traquez les bandits dans le pays d'Haïti. Si DCPJ, tu as arrêté les gens qui alimentent les gangs vraiment, les gens qui mettent les gangs, les gens qui planifient les kidnappings, qui sont des oligarques corrompus, nous allons priver là, parce que DCPJ connaît yo. Li connaissent yo qui mettent kidnapping là. Li connaissent avec yo même kidnapping dans la dimension qu'il est là. Si DCPJ t'a fait travail, nous pas t'a privé là comme peuple. C'est parce que la DCPJ, justement, li peut boire à mes politiques gang qui fait mentir dans la rue, li peut yo, et bien ouais, DCPJ pas de fait travail. Et bien effectivement, ça cause Haïti, trouver la situation qu'il trouve là. Et bien, pendant que Boulos pas là, citoyens ça lui-même, li continue avec industrie kidnapping que patron mette dans pays parce que Boulos vient demander groupe nèg parce que pas oublier Reginald Boulos t'al chercher barbecue pour barbecue t'es capable remettre les G9 Boulos t'a vinn PDG G9 qui c'est groupe gang ça G9 familiale fédération G9 familiale et ben barbecue qui voit que Boulos qui besoin G9 c'est pour le contrôler pour capable faire des actions politiques tout le monde qui est dans pays pour lui. Et de le jeter, Jovenel Moïse, barbecue dit, négatif, ça va passer. Et pour Boulos, c'était commencé. Cherchons couloir pour te parler avec barbecue. Premier sa original Boulos te fait, Boulos te commencé à voyer un pile motocyclette par barbecue. Pour barbecue, bail un groupe négligé, parce qu'on connaît que négligé avec Zam, c'est son motocyclette qui se gèle. Boulos voyait un pile moyen de transport, monsieur, un pile bicyclette. Et il dit barbecue, en tant qu'agent de développement, parce qu'on sait que ça Boulos, il est. Boulos dit barbecue, en tant qu'agent de développement dans la zone, m'a voyé en pile et Timothée de secrétaire ou pour dégager pour qu'elle pour faire social dans nous pour qu'elle maison propre. Et l'autre bagaille il y a que chaque la voye mon secrétaire il toujours voyé une enveloppe qui est pour pipiti $10,000 américains là dans en liquide. Entendez bien? Pour pipiti, Boulos a voyé une enveloppe qui est $10,000 américains là dans en liquide by Jimmy Cherizi barbecue dans Delma 6. OK? Et entre temps tout, qu'est-ce qu'on a pris comme ça? C'était Anel Belizère. Anel Belizère, jusqu'à venir pas parler avec nous là, Anel Belizère pas jamais capable de mentir, déclaration ça qui va que Jimmy Cherizi fait. OK? Et bien justement, si blanc t'a parlé de monde qui alimenter gang, monde qui financer nèg avec zam. De qui ça n'a parlé? Tout le monde connaît Reginald Boulos, c'est lui même qui met c'est Gabriel. Et bien pour me finir avec histoire ça, le Boulos fait toute tentative ça pour gagner contrôle Genève famille allié, barbecue qui gagne pile nèg dans PHTK qui 600,000, on dit nous ça clairement. OK, m'a bien cité non. Avec grand pile nèg dans PHTK qui 600,000, pile qui était proche matin qui 600,000 et qui t'a supporté Jovenel Moïse à l'époque. Eh ben barbecue t'es joindre ça pour te joindre tout dans mes proches matériaux et qui t'a supporté Jovenel Moïse au pouvoir parce que c'était structure PHTK nous connaît évidemment qui t'a dirigé le pays dans deux années avant Jovenel Moïse. Alors pendant deux années première année Jovenel Moïse t'a dirigé. Eh ben effectivement barbecue c'est dit que ça monsieur besoin faire au pas café. C'est organisé pour faire manifestation pour l'aider pour l'aider au craser Badelma faire manifestation et armé contre gouvernement place là monsieur Jovenel Moïse barbecue dit monsieur pas prêter dans ça. Tout ça Boulos fait. Barbecue dit pas prêter dans ça. Et ben barbecue t'a pas commencé en difficulté. Pierre Espérance voyait une mission by Jimmy Cherizi barbecue tout. À avancer pour nous tomber dans dossier Guy Philippe là. Et nous de comprendre régime sanction qui prend là, il manque. Si 28 novembre, 28 décembre, quand il y a Boulos passe sous sanction, Dimitri Vaux passe sous sanction, on va aller en pile doute. Donc, laisse ça. On va avancer. Et bien, normalement, barbecue Jimmy Cherizi vient gagner Pierre Espérance qui confie une mission. Qui est-ce qui voit la mission? C'est Timothée Oni, qui est Nèg Belé, qui était l'école même côté avec Jimmy Cherizi barbecue. Mission qui s'allie. 80,000 $ américains. $80,000, alors on va pas dire c'est américain évidemment. $80,000, avec qui va préciser pour nous, si c'est américain, on va faire, ouais.
avec qui dit 80 000 dollars plus 2 Galil. Et puis il dit avec qui mission, c'est pour assassiner Marie-Olène Gilles, qui c'est une responsable RNDDH avec Père Espérance. Père Espérance voulait assassiner Marie-Olène Gilles. Ça fait que c'est barbecue. Tout le monde dit qui ça fait que ce barbecue Père Espérance t'es fait pour tes missions, ça va pour trouver Marie-Olène Gilles volé. Et m'a dit non. C'est parce que barbecue t'es sécurité rapproché. Yon député à l'époque, député ça, c'était un proche Marie-Olène Gilles. Il était connu très très souvent avec Marie-Hélène Gilles. Barbecue connaît Marie-Hélène Gilles très souvent. Chaque fois que député a rencontré avec Marie-Hélène Gilles, barbecue là comme sécurité, et barbecue comme facilité pour faire filature sous pied sous Marie-Hélène Gilles, pour la tuer, Père Espérance comme ça. Il utilise couloir ça pour faire barbecue à tuer Marie-Hélène Gilles voler. Barbecue dit Timothée Roni. Moi pas contre tuer monde pour l'argent. Et pas tuer Marie-Hélène Gilles pour Père Espérance. Et même qui côté barbecue t'a commencé payer pour casser. Mais qui côté barbecue t'a commencé payer pour casser. Père Espérance t'a pas faire barbecue ouais pour voir dans pays. C'est après le 13 novembre 2017. Quelques mois après prestation de serment président Jovenel Moïse. OK? 13 novembre 2017. C'est après le premier massacre que Père Espérance t'a dit barbecue fait. Soit disant dans Grand Ravine, c'était ça. 13 novembre 2017, si je ne trompe pas. Et bien justement, Ralé Samfel, son façon comme Dieu, que Boulos te font façon pour te récupérer, groupe Amisa, que barbecue, à l'époque, t'as pas le diriger. T'as pas le chercher qui contrôle barbecue tout d'abord, non. Et Delma 6, et puis le barbecue vient en difficulté, nous connaissons ça qui passe, barbecue vient rebeller, barbecue vient commencer, je bat pour le contrôle, le groupe nègre, et évidemment, on peut capable de gérer tête. Boulos te choisi, fait couloir pour la récupérer. Tout ça vient passer yo, barbecue vient mettre Genève comme sous pied, et mais Boulos vient plus ça fait forcing pour le récupérer Genève, barbecue dit pas guerre sortie de là, pas alors ça va qu'à faire, et bien évidemment Boulos vient replier. Boulos vient dit soit nous touyer monsieur ou bien monsieur vient joindre. Les Boulos voit qu'il pas qu'à touyer monsieur, monsieur pas vient joindre. Boulos a fait chef gang néan qui c'est Ti Gabriel en dans Cité Soleil. Ti Gabriel fédère gang par là tout. Il fait Ti Gabriel relé gang par là, j'ai peuple. OK, c'est Gabriel les gangs dans GPEP. Les gangs GPEP là c'est Boulos qui te dit, c'est Gabriel fédérer gang dans tout. Les pour fédérer gang là, nous va chercher tout allié tout. T'a des membres fondateurs, t'a bien allié, même j'ai gagné Genève en famille et allié tout. Non allié. Pour Boulos te gon allié qui sûr, il faut te gon groupe gang pour te faire moyen pour te touiller barbecue. Boulos fait Gabriel transporter. Alors, voyez soldats sous belé grain la grain l'eau par l'eau dans camion, à le placer sur celle soldat sous belé. Et avec présence Kempes sous Belé, Kempes comme évadé de prison, nèg yo met un gang sous Belé. Et ce gang ça qui d'après le fait nèg Genève yo avait écrasé Belé. Parce que objectif Pierre Espérance avec Boulos et Yuri Latortue, tout nèg de connait yo, c'était pour touyer barbecue dans Delma 6. Écraser Delma 6, faire Delma 6 font seul avec Belé. Et mais qui nèg yo pas arrivé fait. Et groupe armé barbecue en tellement puissant, et mais barbecue t'apprale Fenegue joue pied dans Belé et vous t'a pas loin Belé capable tourner ta ça qu'elle tourner là mon Belé petit Belé pas qu'à vivre Belé pour qui t'est posé pour qui t'est cool mais net politique craser Belé avec groupe gang qui ont mis sous Belé. Et bien justement sauf façon pour me dire et que Reginald Boulos c'est chef gang numéro 1 à pays d'Haïti. Aristide qui t'est metté la metti manchette la main rouge et mais l'Aristide vient aller Boulos vient récupérer gang ça yo. C'est Boulos qui vient mettre gang dans pays d'Haïti parce que la valace là vient perdre plume. Aristide d'ailleurs, Boulos vient récupérer gang. C'est Boulos qui numéro 1 chef gang dans le pays. C'est Boulos qui a mes plus jeunes garçons dans le pays. Boulos fait, il utilise un peu de jeunes garçons qui sont capables de marcher dans toute société. Il y a bandit légal. Eh bien, citoyen ça, qui est Franzi Valmé alias Didi, monsieur c'est membre fondateur MTV Haïti, parti politique régional Boulos. Et monsieur, dans kidnapping pour Boulos. Monsieur c'est Zami Ti Gabriel dans Cité Soleil. Monsieur c'est Zami Vite l'homme innocent. Non, Taba 70, Peignet, Tossel. Monsieur ses amis, Iso 5 secondes dans Village de Dieu. Monsieur ses amis, Mano 5 secondes dans Village de Dieu. Monsieur ses amis, Tilapli dans Gravine. Monsieur ses amis, Kilik dans Gravine. Monsieur ses amis, effectivement, PDG et groupe gang Gravine, qui c'est Bougoy. Un peu pas ici, pas qu'il moyen,
nous pensons que Petionville est capable de kidnapping. Pendant que Valmé, Frenzy, besoin pile l'argent. Il y a un pourcentage dans le kidnapping. Chaque kidnapping, patron, boulos, Abdil, comme il faut le prendre. Là, il fait plus kidnapping. Là, il fait plus comme. Mais Valmé, sont si riches que lui. C'est bois armé, original boulos que lui. De ce pays, arrêté. Alors, vous imaginez, il y a un camarade qui dit comme ça que si Jovenel Moïse est là, il a dit que c'est persécution politique qui a fait sous Frenzy Valmé, qui est membre fondateur MTV Haïti, parti politique Reginald Boulos. Nous voulons nous connaître que PDG MTV Haïti, qui est Reginald Boulos, sont kidnappeurs. Et il y a un pile kidnappeurs dans le parti politique. Je dis à APC à péter, et définitivement, c'est peser pour continuer à peser le peuple haïtien. Pour eux, habitez-nous. Que messieurs parlent dans le pays, mais ont décidé pour laboratoire, kidnapping, industrie kidnapping, que vous mettez sous pied. Vous voulez continuer à marcher toujours. Parce que c'est vous qui c'est vous qui connaissez quantité l'argent que la population gagne dans les mains. Mais vous décidez pour que comme ça vous rentrez. Parce que vous contrôlez l'économie. Vous connaissez combien de cobs qui sont en circulation. Vous connaissez combien de cobs qui sont rentrer dans la banque. Vous connaissez combien de cobs qui sont rentrer dans les mains. Mais comme ça, vous ne pouvez pas mettre la banque. Vous mettez kidnapper dans l'arrière pour kidnapper par n'importe quel moyen. Pour rentrer comme ça, vous-même. Parce que vous avez un plan pour détruire Haïti. Vous avez un plan pour détruire Haïtien. Parce que si vous avez un petit peu de temps, vous avez pour manger, mais vous avez une capacité pour réfléchir. Pour 1 mois, pour 2 mois, pour 4 mois, qui disposition vous êtes capable de prendre pour aider les pays sur le sac que là. Mais si vous résumez pensez avec moi manger aujourd'hui, qui ça va manger demain, et bien effectivement, le ça, ou même comme vous avez une capacité pour réfléchir, en rien pour l'avenir. Le ça, vous pas venir payer encore. Vous pas venir payer parce que vous avez un problème de manger. L'or, il est réduit. Avec, comme si vous avez une question de manger, grand goût, à l'extrême, triple accordé, ou avez besoin de manger, ou besoin de manger. Mais le ça, vous pas gagner de pays. Pas gagner pour l'avenir, capable de penser. Parce qu'il réduit la capacité. Effectivement. Et mais c'est ça que nous devons connaître. Nous allons entrer dans l'autre chapitre que nous avons gagné pour nous aborder ensemble avec vous. Dans le cadre de l'émission, ça. Effectivement, peuple haïtien, Guy Philippe fait une déclaration là, moi-même qui mérite, et applaudit. Et quelque part, moi comprends en pile. Gagne en pile, alors monsieur parle de dossier, et dossier parle là tout, pendant que est en prison. Hein. Est-ce que l'a libéré ou pas, il parle de ça. Nous pourrons partager l'ensemble avec vous dans l'émission. Hein. Vous pourrez connaître ça que le sénateur Guy Philippe dit. Effectivement, dossier est compliqué. Dossier est compliqué, mais c'est nous-mêmes comme peuple qui vous mettez maintenant pas de l'attendre. Parce que la situation à vivre là, nous ne pas quitter ça, continuer comme ça. Moi-même, je dis nous, blanc, on m'a dit sauvé, Libanon est un bourrade. Bourrade que le Libanon, c'est que les gens identifiés, des gens qui ont une banque dans le pays, ils disent, les gens qui ont une banque là, ils sont kidnappés. Comment tu as voulu pour kidnapper et t'abaisser en douceur? Ou besoin de liberté dans le pays, mais justement, mais qui est-ce qui font pas qu'à circuler? Mais qui est-ce qui font pas qu'à liberté? Ce groupe n'est que des Égyptiens, des Syriens, Libanais, Palestiniens qui prennent le pays en otage. Et mais justement, lorsqu'on nomme tant que Chérif Abdallah, Chérif Abdallah, yo dit qui c'est un Égyptien. Ok? Chérif Abdallah, yo dit qui c'est un Égyptien, qui sont criminels, qui sont assassins, qui prennent le pays en otage. Comment t'as voulu pour penser que Chérif Abdallah, t'as jamais quitté pays où fonctionner normalement. Sous qui base ou t'as pensé que Chérif Abdallah va quitter Haïti fonctionner normalement. À nous faut t'attendre ça. Chérif Abdallah, Égyptien, né au Caire d'Égypte, le 18 novembre, le 18 d'août 1958, d'une mère italienne et de père égyptien. À Washington, il a rencontré sa future épouse, Sabrina Léger, ok, qu'il le liait définitivement en Haïti. En 1981, et Chérif Abdallah arrive en Haïti. Il a installé, alors, il arrive en Haïti. Il obtient un poste chez Gérard N. Léger, le père de Sabrina, sa nouvelle épouse. 2. Contrôler des assurances Léger, ALSA, Société Anonyme Assurance d'Automobile. Oui, Lamar, Port-au-Prince, Haïti. Ça veut dire dans Pétionville. Et c'est pas trop bien. Chérif Abdallah, le dangereux patron de l'ombre. OK? Il n'est pas trop connu du grand public. Mais il pèse lourd sur le quotidien de tout un peuple. Comme un démon, il agit sans effet remarqué. À lui seul, il est capable de sombrer le pays dans n'importe profonde crise. Quand il souhaite, il est l'homme de tous les monopoles vitaux et de survie du peuple haïtien.
Voici quatre éléments faisant d'Abdalla le plus puissant chef de mafia en Haïti. 1. Le gaz. À travers son entreprise Novum, entreprise de distribution de gaz, Chérif Abdalla est le principal distributeur de gaz en Haïti. OK? Il fait de ce produit transversal son arme la plus redoutable. Il l'utilise pour faire chanter tout le monde, les gouvernements, alors les gouvernements du alors qui résistent à ces caprices de petits bourgeois étrangers racistes, leurs entrepreneurs business qui consomment beaucoup de carburant, etc. Il est capable de provoquer et alors de la rater sur les marchés pétroliers au rythme de son humeur. Très bien. Chérif Abdalla, capable de provoquer raté gaz li jan vle, ça veut dire raté artificiel là. Li konnen li gen marge de manœuvre sa lanmèl. Li gen stratégie ça. Le pou le faire raté artificiel gaz nan pays ya. En même temps tout, Chérif Abdalla, li c'est PDG Soje Bank. Li konnen ki jan pou le faire raté artificiel dollar. Li konnen ki jan pou le faire spéculation nan dollar lan. Aïe aïe aïe. Ça fait mal en pile hein. Yon pays. Monsieur dans transport aérien. Nan ki son bagay avion dans pays ya. Monsieur Gayen environ 9 à 10 hélicoptères en dans pays ya pour louer seul l'état haïtien. L'état haïtien pas ka faire contrat ça avec l'autre monde. De pou faire li boule pays ya sou ou. Li pou sou yo raté artificiel gaz. Alors m'a rappelé nous que Chérif Abdalla monsieur c'est un allié Joseph Michel Martelly parce que Martelly nan gaz tout. OK? Martelly nan gaz tout. Et monsieur contrôler secteur produits pétroliers, monsieur dans secteur bancaire là, monsieur dans aérien tout. Ça veut dire que monsieur il dans hélicoptère. C'est lui-même qui loue candidat à la présidence et avion ou il alors hélicoptère qui va ça pour voler dans tout pays. Et dès pour pas faire contrat ça dans mail, garantie ou si petit tout de l'école dans mer boudon mais là lui même côté là, t'a voyer lever la proclamation l'autre forme. OK? Ça c'est Chérif Abdalla. Nous devons comprendre ça. Et bien normalement, Chérif Abdalla, c'est nèg sa yo qui t'a fait 42 millions de dollars américains dans gaz dans pays là et que Jovenel Moïse t'a dit monsieur, ou pas capable continuer faire comme ça. Monsieur t'a prend téléphone ni. Monsieur dit Jovenel Moïse, ça gagne en pile l'année que l'a fait dans pays là. Et bien Jovenel Moïse comme président de la République, t'a dit monsieur, et bien nous gagne pile temps depuis n'a volé dans pays là. Et bien le ça pardon, déclaration t'a pas fait que monsieur court quitter pays là pendant plusieurs mois. Pendant que Jovenel Moïse au pouvoir. Pendant monsieur, d'ailleurs, bien normalement, il profite pour que il organise pour le bouler pays à ce Jovenel Moïse. Nous parlons qu'on est en pile dossier de Chérif Abdalla, mais entre temps, nous parlons rentrer dans l'intervention sénateur Guy Philippe Lan, qui est extrêmement important pour que le peuple haïtien tende des déclarations ça, parce que dans pile parole qui parlait à travers déclaration que sénateur Guy Philippe fait. En avance, peuple haïtien, dans ça qui est pour avec déclaration sénateur Guy Philippe. Entre temps, avant que nous tournions dans le dossier sanctions, et que Chérif Abdalla, Gilbert Bidjo, Renaud Dib et Reginald Boulos qui nous viennent là avec Dimitri Vob le 28 décembre, peuple haïtien, selon Royaume-Uni, ça pile bagage qui parle parler, peuple haïtien, kabet la coulé. Yon ministre dans le cabinet ministériel lien, qui c'est Camille Edouard Junior, monsieur justement qui organise elle, pour lui faire job sale ça pour le criminel lui, parce qu'il a réussi à demander ça, pour négocier arrêter un sénateur qui est élu démocratiquement en dedans pays, à savoir Guy Philippe. Mais effectivement, c'est Guy Philippe ça qui nous parle fort en là, qui va faire déclaration ça qui fait que tout le monde saute. Côté que Guy Philippe dit comme ça que et ben lui-même, il pas d'accord dans pays hein, pour Jovenel Moïse ta mouri dans condition ça. Il dit depuis l'heure, il a fait première tentative là. Le 7 février 2021, et ben lui-même, il a campé beaucoup de président, il a parlé à président parce que pas parlé à président et que pas d'après 7 juillet 2021. Guy Philippe nous parle dans là peuple haïtien. Ancien président Jovenel Moïse. Il y a un bagage extrêmement important côté dit avant que peut-être nous faire entrevue ça où tu dis que si ou même ou tu es là ancien président Jovenel Moïse pas tap mouri Jean mourir. On pense que ça t'est un petit gens attirer attention l'autre dit et peut-être une bonne possibilité ouvertement là pour expliquer qui ça qu'on veut dire. Qui ça qu'on veut dire exactement l'autre dit si ou même ou tu es là
ancien président Jovenel Moïse, lui-même, il n'est pas mort comme ça. C'est ça, je vous dis, je pas parlé hier, je vous dis que moi, je suis quoi. Et d'ailleurs, c'est une raison qui a toujours été tenace pour une justice. Pas pour le seulement. Pour une justice pour tout le monde, tout le jeune garçon, tout le jeune petit, tout le paysan, ça. Nous dépendons, après un cyclone, fin ravager la danse. Quand on prend la rue, qui a un espoir, là où même, je sais pas le voir, on est qui va défendre l'intérêt. Pour changer ça. Mais je fais ça, 5 janvier 2017. Bataille va lancer pour tout le monde, par exemple. Et dans le fond cochon, dans le bouton, et dans le championnat, ou bien dans la troisième section, il va traverser combien de passes à l'école. Qui va même bien, bon, qui va même bien, et tableau. Côté où vous gagnez, vous avez un espoir. Vous tout le voter. Et vous votez trois fois. Parce que vous êtes quoi que avant d'avoir un changement. Et vous êtes sûr que vous quoi. Si vous êtes là, ce n'est pas qui d'avis. Je viens de renoncer là, et j'ai un pays qui a la comme ça. Et pas la gagne, je viens de vous dire. Parce que depuis Gargot, en janvier, toutes deux mesures d'apprendre, nous tapons là, nous tapons conseiller président. Parce que moi-même, je ne parle pas là, président. Depuis son avocat qui est sous président, tout ça, président, dit bon, président, pas un spécialiste en sécurité. Moi-même, comme spécialiste en domaine, nous tapons le conseil Mumbai là, nous tapons les Mumbai là, pour nous sauver la ville et pour nous défaire que Haïti va tourner. Ça tourne là, on tape, on y a la vie, c'est gang qui a contrôlé. N'est-ce que tu es plein de gaz à Haïti? Et n'est-ce qu'on aime toujours camper en face de moi, qui vous planifiez, qui vous conspirez et vous faites ça, vous faites là, 5 janvier 2017. Qu'on a demandé justice pour le président Jean-Brasil, justice pour le peuple moyen qui votait. Et qui connaît l'élève qui vote, il y a une immunité, c'est ça la loi dit. Et il y a 6 ans de travail pour lui. Il y a crasé et il est peuple là. Et moi-même, je combat tout pour petit moi, pour famille, pour amis, pour tout le monde pour appeler au fait. Non seulement moi-même, mais toute nation. C'est extrêmement intéressant une déclaration comme ça que fait pendant que nous connaissons que vous êtes arrêté sous processus et jugement là, fait sous président Jovenel Moïse et nous connaissons qui gens que gouvernement haïtien a réagi dans l'époque tout processus de jugement pour là aux États-Unis. Malgré ça, vous êtes quoi que ou même si vous êtes là, président Jovenel, il pas t'a mourir façon que mourir ou t'a campé avec lui. Moi, on regarde moi-même qui j'aime. Ma tout le monde, président Jovenel va chef, il pas patron. Nous sommes sénateurs, on peut prendre mandat, nous avons fait mandat. Mais en même temps, nous sommes haïtiens. En même temps, nous sommes citoyens, nous reconnaissons que le président, c'est chef l'État, c'est chef l'État haïtien. Comment on a quitté un pays, on a quitté 20 grains de mercenaires sortis dans notre pays, on a confié avec l'ambassade de notre pays, avec des collègues en Haïti, on s'est tenu en place politique en Haïti, pour venir assassiner et humilier un pays comme ça. Ça va être fait. Et on va faire tout, parce qu'on est au temps de la réponse. Donc, moi-même, je regarde avec tristesse, Jean. Processus et soi-disant justice pour le président Jovenel l'a fait. Pour moi, son vaste blague, son lance, son mari est écrasé, même le président a mouru. Et il y a plus de monde qui attend des blagues, sérieusement, il ne va jamais dire. Donc pour moi, son jouet, le président n'a pas besoin de justice, le peuple n'a pas besoin de justice, il n'a qu'à ça. Ancien sénateur Guy Philippe qui est avec nous aujourd'hui, qui n'a pas brassé l'idée sur différents dossiers. Nous t'en remercions si vous voulez pour nous faire parler de dossier corruption, dossier insécurité, ou parler de sécurité, ou expérience sécurité. Il y a différents pays qui prennent des décisions contre le monde en Haïti, parmi eux le Canada. Qu'est-ce que vous pensez de Zafel Lissa lui-même et qui de Yoa? Nous avons une question politique qui a essayé pour éliminer une place politique pour le monde à Colitio, si Haïtien par eux, si sous par eux, pour mettre sous pouvoir. Toute sorte, toute transaction ou tractation qui a fait dernièrement et dans le dernier temps, ça voilà, c'est juste l'homme rivière qui a pris les ficelles dans les marionnettes. Par l'autre monde. Il y a un contact avec un dame qui est chef adjoint cabinet et premier ministre canadien, qui était secrétaire à Jean-Bertrand Aristide, que dans le pays où il y a eu un email qui a été marié à Jean-Bertrand Aristide, qui aujourd'hui a un gros poste dans le cabinet et premier ministre canadien, qui a pris les ficelles pour mettre les gens pour éliminer les gens. Pour... En attendant, comment comprendre qu'il y a parlé de corruption, de monde qui a mes gangs, le grand histoire de l'armée rouge, le grand histoire de craser l'institution de l'État pour l'armée d'Haïti, le grand corruption, tout cas de corruption, non, vraiment, une série d'entreprises de l'État à perte pour l'État haïtien. Pourtant, on a fait une liste, on ne sait pas qu'on a fait une liste là. Non, mais. Toujours, c'est l'embrigade. En attendant. Excusez-moi si je vous capte un petit moment. Canada dit lui-même, il y a des preuves, et ce n'est pas seulement Canada, il y a États-Unis qui a pris des décisions dans ce qui est pour avec combattre l'insécurité en Haïti. Qui pourrait faire bien? Pourquoi ça va pas être haïtien? Pourquoi ça va pas faire le public? C'est menti. C'est politique qui a fait pour déstabiliser le pays. Est-ce que pas grand monde qui connaît que Jocelyne Rivière a participé dans le massacre en Syrie? Il a arrêté pour ça jusqu'à présent qu'elle l'a pour fermer? Qui ça Canada dit de ça? Son bagage politique qui a fait pour graser un groupe, on n'a même pas de problème, non? Ou qu'on aime d'accord ça? Si les pays achètent à vous faire des zones, il faut qu'ils prennent prison. Tout ça, c'est dans le fouet, mais dans le compétro caribé, si t'es gagné, dans le compétro tremblementaire, où on a fait tout l'autre des autres, dans le cas de corruption, il faut qu'il arrête. Même je faut qu'il arrête, mais là, voilà ce qui fait des autres. C'est seul qu'on s'en nous cap font pays sérieux, c'est seul qu'on s'en pour payer à une autre. Nous, on a qu'à chaque fois, il y a une vignée, il y a une vignée, il y a une vignée, même si c'est pas là-bas.
ambassade tout ça ambassade ça va faire là c'est à commandant avec besoin par contre pour avec petit copain petit malé malé pour prendre pays et pour venir ça vous faire encore dans pays des Salines là pas de problème que mettre n'importe monde qui dans la corruption c'est pas ça le problème là on va pas capable citer mon ancien président de la République ou bien mon équipe ancien premier ministre ou qui ancien ministre ça qu'on va venir la preuve ça il va aller délinquant c'est déstabiliser à déstabiliser pays là l'homme c'était nous un exemple tout bail preuve là pas de gain pour vous c'est l'homme bail ce bail public lié bail pour nous comprendre que bail là c'est mon bail politique si on va capable preuve aussi à Kembe c'est normal qu'on nous dit que c'est secrétaire premier ministre Trudeau qui c'est ancien secrétaire Jean-Bertrand Aristide qui n'a pas le mariage avec la vie, selon ça tout le monde dit. T'as pris avant ça, ma juste l'aime privé, t'as pris à l'école, puis au reste, t'es capable de rencontrer le pouvoir en Haïti, parce que le peuple n'a pas voté. Chaque fois, à l'élection, l'équipe, ça va faire plus que 7%. Il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de passer dans l'élection. Si on dit que c'est un pays, j'ai appris à dire qu'il faut un brave jeune sénateur. Il n'y a pas de pêcher un sénateur l'aime. Ou bien s'amener dans le pays. Donc, nous avons un monde derrière. Donc, il y a fait complot, il y a pris les ficelles pour nous prendre le pouvoir, pour venir faire même ça, même des autres, ce qu'on a fait là. Tout ce qu'on a fait là, c'est la politique, à moins que. Nous avons des preuves que c'est vrai, ça veut dire. Mais moi-même, je suis presque sûr, pas de aucune preuve. Alors, dans toute bagaille corruption, ça, dans toute bagaille financée gang, ça, pas de gens qui ont financé l'armée rouge, qui commence à toute question gang, pas de gré, nous avons la valance qui est dans la corruption, nous avons vendu Téléco, nous avons vendu Minerie d'Haïti, nous avons vendu Cimenterie d'Haïti, ou bien nous avons volé toute comme coopérative, ou bien nous avons crasé comme Petro-Caribé, dans les domaines privés, avec tout le premier ministre. Ça, c'est un nom, ça, c'est un jouet. Ça, c'est travail la valance que le Canada a fait. Parce que j'ai eu contact avec Tamsak, le cabinet et Trudeau. Et puis, Jocelyn Rivet comme chef d'orchestre, après les ficelles, pour le cabinet, volons pour voir encore. Je vais me poser une question à quelqu'un qui a même posé une question en bas live là, surtout dans l'affaire Révolution et côté faire 2003-2004. Mais la façon qu'on parlait, c'est que nous attendons de gagner Guy Philippe qui a retourné dans la politique en Haïti, qui a retourné dans la vie nationale. Je ne voulais pas parler de date, le Guy Philippe a blagué et autres. Bon, peut-être pour raison pas aussi, ou même vous voulez mentionner, l'objet a toujours parlé de lui. Mais est-ce que nous capables d'attendre nous Guy Philippe qui a retourné dans la vie politique en Haïti? Pas vous plaît. Il dit que la réalité pour le blanchiment d'argent, mais pas aucune preuve qui montre que le blanchiment d'argent. Ça, je voulais plaire pour tout le monde. C'est avec Sojé Bok, il y a trafic en série de bagailles. Il dit que dans Sojé Bok, on a fait passer près de 3 millions de dollars américains. Que jusqu'à présent, on va capoter un bout qui est passé. Donc, pas aucun cas. D'ailleurs, c'est la femme, vous voulez devant OEA. Parce que la justice américaine est biaisée. C'est pour la justice vraiment qu'on a fait, vous voulez devant la Cour internationale. C'est justice internationale pour aller dire, selon ça, il y a un mail, selon ça, il y a un joint. On va tout garantir, rentrer de tous côtés, aller sur tous côtés de Philippe Bioko. Tout côté de faire, soi-disant, et blanchiment d'argent. Si on vient y arrêter, Marie-Marie. Mais pas que j'aime bien qu'à ça. Donc, moi, je suis prisonnier politique aux États-Unis pour façon Bali. Parce que les États-Unis veulent tout le temps pour moi, baisser tête devant eux. Pour piller les pays, à toujours. Et pendant qu'il y a fait l'issue, écrit non, soi-disant, qui cause Haïti dans sa vie là, faut que tu mettes tête en premier. Toute ambassade est passée en Haïti, ambassade américaine. Toute ambassade est passée au Canada. Ils ont tout mis dans eux. Parce qu'ils ont tout contribué à créer ce pays. Ils ont comporté, ils ont conspiré, ils ont organisé, ils ont supporté l'assassinat en président de la République. Et qui bagaille a bien fait l'is, avec qui qualité morale pour nous avoir fait l'is. Bon, en même, nous, et me dit tout le monde, ma rentrée, il m'a pris dans la politique pire. Et la loi avec, et pas rien, rien qu'à faire ou faire dans la politique, parce que la loi avec, tout ça me dit, c'est ça, et la loi. Invitez-nous à Guy Philippe, mon brata, pour me tendre où et pour me capable de formuler des questions tout, que nous gagnons, parce que nous n'avons rien que le monde, il y a même une possibilité pour être capable de. Peut-être des questions et m'a fait les yeux verts. En nous parler de révolution, ça, 2003-2004, où tu es dans la tête d'un groupe rebelle, qui était contre ancien et président Aristide d'alors, qui n'a pas aimé le régime dans lui-même qui a fonctionné, où tu es dans un groupe armé, un groupe qui a des âmes dans le qui a notre moyen dans le qui a fonctionné. Qui côté Guy Philippe lui-même, tu as l'argent, tu as joué des âmes pour être capable d'opérer et pour être capable de faire gros ton mouvement, ça? Tout le monde connaît que le gouvernement américain, le gouvernement n'importe quel, français ou bien et anglais, n'importe quel, empire ça, c'est intéressé au gain. Donc, qui était le gouvernement en 2004 que tu as vu un mouvement qui compte Jean-Bertrand Aristide? Donc, c'est pour nous avoir posé pour réfléchir et puis répondre. Aristide by Blanc, tout ça le veut. Tout ça le besoin. Aristide crase la médaille. Qui était dans le plan blanc, depuis après, by Panama, il était bien fait dans plusieurs pays. Et Haïti est là-dedans. Haïti crase la souveraineté économique pays. Ils ont privatisé à perte, en ce qui est des entreprises d'État, t'as coûté les communes d'Haïti, et Cimenterie d'Haïti, et Naol. Aristide crasé production nationale.
président Bill Clinton témoigner et dire que le regret qu'il a contribué à écraser la production du riz en Haïti. Tout ça, c'est le président Aristide qui fait blanc cadeau, bagay ça, ouvert pour faire importation abusive, pas encourager secteur paysan, c'est importation, importation, importation. Il prend une banque l'État, qui est les banques populaires haïtiennes, il fait donner un vache à lait pour prêter l'argent à 3-4 petits copains qui s'abîment et élite économique Haïti aujourd'hui en pile là d'ailleurs. Président Aristide fait cadeau souveraineté pays. Politiquement, elle signe en 2002 avec l'ambassadeur américain. Elle était voyé ministre affaires étrangères, Philippe Antonio, qui signe un accord qui permet blanc rentrer en Haïti, kidnapper mon joueur, kidnapper là. En plus, monde toujours baïté du menti, dit c'est Prival qui signe un traité d'extradition. Non, Prival pas signé aucun traité d'extradition. Prival signe en 1997 un accord de coopération avec les États-Unis. Dans la mer, avec l'espace aérien. Seul traité d'extradition qui existait en États-Unis à Haïti, c'est traité 1904-1905. Aristide signe un bagaille lui-même. Et même parlementaire, qui était contrôlé à 100%, pas jamais ratifié. Il signe à Blanc, dit Blanc, il un an, il a rentré en Haïti, kidnappé mon niveau. Un an. Archive là, c'est pour nous chercher bien après. Pour qui raison? Pour Blanc, on est capable de tout bagaille, qui fait tout ça, t'as contre Aristide pour encourager un mouvement et rébellion contre le gouvernement. Ça. Donc, moi, je pense que bagaille est parlé peut-être. Archive là, c'est pour le monde d'amoyer et à regarder, à chercher, retourner dans l'époque ça. Et puis, bah, il y a un pile, mon ami, qui filme travail pour Blanc, qui filme ses agents Blanc, qui filme ses pions Blanc. Attendez, moi, ton commandant. En Haïti. Nous responsable d'abord du commissariat Wanamet qui sous frontière. Commissariat Delma. Nous responsable de toute zone métropolitaine. Nan. Comme tel, nous avons un poste et place qui est important dans la question de la police nationale en Haïti. C'est normal. Et c'est sous notre gouvernement que nous avons des rencontres périodiques avec Blanc. Parce que nous avons une mission onusienne en Haïti. Nous avons un militaire américain en Haïti. Et sous l'ordre supérieur hiérarchique, nous avons rencontré avec eux au moins 3 fois par semaine ce que tout commandant a fait qui est dans la position. Nan. Nous devons rencontrer 2 à 3 fois avec eux par semaine et parfois, c'est attaché militaire américain qui finit dans la rencontre. Okay. Donc, à partir de toute rencontre, il y a un contact, une amitié et puis une politique qui fait, bien entendu. Mais à aucun moment, on ne va pas dire que Blanc est supporté un mouvement qui a vu une contre intérêt Blanc américain par égaré. Blanc américain par égaré. J'en fais un dommage que la classe politique haïtienne n'a pas eu courage. Non seulement pour accepter et dire toute la vérité, combien de rencontres que moi-même, Guy Philippe, avec les lieutenants, combien de rencontres nous faisons avec eux. Que ce soit Saint-Domingue, que ce soit en Équateur, côté classe politique là, en pile monde là d'ailleurs déplacé, vient faire rencontre avec nous, vient planifier le mouvement, ça a bien abouti à 2004. Ce mouvement commencé depuis l'affaire Ronald Cadavre et qui démet carotte sur la tête, on commissaire avec 2 policiers, qui vient aboutir à 29 février 2004. Dans la route, ça, il y a des gens qui viennent Aristide, qui a fait l'argent à Aristide, qui viennent des problèmes personnels à Aristide, qui fait mouvement par eux. Il y a plusieurs équipes, plusieurs groupes qui ont fait mouvement. Puisque tout le monde est en Haïti, le président ça n'a pas quitté le pouvoir sans que pas un mouvement armé, à la fin, tout est obligé de venir rencontrer nous, planifier pour Aristide aller. Oh. Pour me faire suite à ce que ça n'a pas parlé, je pense que la classe politique Haïti, s'il vous plaît, il y a bail, plus d'informations sur comment faire le mouvement, côté de moyen et qui viennent faire. Toutes les armes qui sont utilisées, tout le monde a regardé, c'est pas en 1804. Il y a que ces armes qui étaient pour l'armée d'Haïti ou bien les armes policières qui deviennent rejoindre le mouvement, parce qu'il y a un peu de policiers avec. Tout. Et d'ailleurs, sans aide, peut-être que le mouvement va jamais arriver pour nous aider. Donc, gardez au bien pour nous. Gardez les armes, gardez qui est intérêt à l'équipe d'Aguin. D'ailleurs, si nous avons entendu la déclaration de Colin Powell 5 jours avant Aristide aller, quand il dit le pape quitte une équipe TOG pour retirer le président Aristide. Président Aristide là pour 5 ans, les États-Unis campent les rêves. Et ça, c'est tellement grave. Pendant que nous avons tellement joli au Cap en 2004, attaché, chargé d'affaires américains, relais, hôtel là, m'a dit pour la veine. Monsieur a quitté un personnage âgé. Non, qui s'est mis côté de mon joli Binelem, elle m'a mis dans le bureau là, pour me parler avec attaché et chargé d'affaires, excusez-moi, américain. Chargé d'affaires là, dit que je ne peux pas tolérer, je ne peux pas dit tout le monde pas rentrer aux États-Unis, agir immédiatement si vous rentrez pour au prince, parce que Aristide ne font pas. Monsieur était chef qui était mis côté là, il attendait réponse qu'on a chargé d'affaires américain, il constate que gain, il dit qu'il est en famille depuis des générations, il n'est pas mon lit. Il dit, mais parce que c'est la première fois qu'on haïtien par les consacres américains. Donc, chargez mon, chargez bagage, chargez preuve, chargez témoin. Qui côté de l'argent? On dit, ou cap bandit classe politique là? Ou cap.
Thank you.
Thank you.